J'ai commencé le parachutisme de façon un petit peu inattendue et c'est un peu du hasard. À mes 17 ans, sous forme de cadeau. C'est quelque chose qui m'a plu tout de suite. Qui n'a jamais rêvé de voler au moins un jour de ses propres ailes? Et se jeter dans le ciel d'un avion, c'est quand même un acte assez incroyable. Ça ressemble à un geste fou, et pourtant l'homme a toujours eu envie de voler. Un rêve qui a su se concrétiser au début du XXe siècle, avec l'arrivée de l'aviation. La Fédération française de parachutisme a été créée en 1949. C'était la Fédération nationale des parachutistes français, donc c'était les militaires qui avaient créé cette fédération juste après la guerre. Et à partir de 1968, ça devient la Fédération française de parachutisme. Notre fédération compte aujourd'hui presque 60 000 licenciés. La Fédération française de parachutisme est donc une fédération sportive de taille moyenne. Mais grâce à ses 152 clubs et 56 écoles, elle permet de pratiquer sur l'ensemble du territoire. Elle couvre de nombreuses disciplines réparties en deux grandes catégories. Tout d'abord les disciplines en chute libre, le vol relatif, le free fly et le freestyle. Puis les disciplines dites sous voile, c'est-à-dire une fois le parachute ouvert. Le parapente, la précision d'atterrissage voltige, le voile contact et le pilotage sous voile. Je suis Déborah Ferrand et je suis en équipe de France de parachutisme dans les disciplines de précision d'atterrissage et voltige. J'ai commencé le parachutisme en 2001, ça fait donc 17 ans que je saute. J'ai 8500 sauts. Alors, la précision d'atterrissage est une discipline sous voile qui se pratique en individuel et ou en équipe. Donc on sort de l'avion à 1000 mètres et le but est de venir se poser sur une cible électronique qui fait 2 cm de diamètre. Donc le centre de la cible fait l'équivalent en taille d'une pièce de 10 centimes d'euro. Yeah ! En 2018, j'ai obtenu le titre de championne du monde militaire de précision d'atterrissage. Championne du monde civil de précision d'atterrissage et également vainqueur du classement général de la Coupe du monde de précision d'atterrissage. Oui, ça va, c'était une année exceptionnelle pour ma part au niveau du palmarès. Un palmarès exceptionnel qui reflète l'excellence de la France sur le plan international. Dans toutes les compétitions, championnat d'Europe, championnat du monde, Coupe du monde, Coupe d'Europe. La France est depuis une quarantaine d'années la première nation au monde. Donc on est tous très fiers de ça et c'est sûr que pour nous c'est un objectif supplémentaire qu'on se fixe. Évidemment notre objectif c'est de remporter la compétition et de gagner la médaille d'or dans notre discipline à chaque fois, mais en plus on a cette espèce de bagage qu'on a tous de se dire on est français, il faut qu'on maintienne cette excellence. Et ça marche parce que chaque fois, chaque année, chaque championnat on ramène le maximum de médailles. Là, toutes les équipes qui reviennent d'Australie reviennent toutes avec une médaille. En 2017, c'est plus de 30 médailles. En 2018 aussi, 30 médailles, dont la moitié en or, toutes disciplines confondues. Pour l'instant, il y a trois nations qui arrivent à tenir le niveau vraiment d'excellence qui est nécessaire. C'est la Russie, la France et les États-Unis. C'est les trois grandes nations. Et je pense que c'est les nations qui aident le plus leurs sportifs. Le rôle de la Fédération française de parachutisme sur le haut niveau, c'est de veiller à ce que l'athlète et les équipes de France soient épanouies et soient en fait dans des conditions optimales pour justement réussir et avoir les médailles. La fédération a mis en place des pôles d'entraînement, 5 pôles d'excellence et 4 pôles d'accession où des athlètes peuvent se retrouver et pratiquer accompagnés de techniciens nationaux. Ils s'entraînent généralement d'avril à octobre tant que les températures et la météo le permettent. En hiver, ils effectuent des stages à l'étranger pour continuer le travail dans des conditions adéquates. Pour les athlètes, c'est beaucoup de sacrifices, hein. C'est énormément de jours d'entraînement. C'est beaucoup de contraintes, le sport de haut niveau, donc il faut le comprendre. Plus on le comprend tôt, plus on se met dans le bon sens, dans la bonne voie, et plus on a de chances de réussir plus tard. Salles de sport, de visionnage vidéo et même des salles de couture sont à disposition des sportifs.
Et il ne suffit pas d'entraîner tout le monde au même endroit pour que tout le monde se rende compte du travail à faire, mais il y a aussi surtout les sportifs. Hein. Si on n'a pas la matière, si on n'a pas des gens doués et des pépites, il faut des gens doués, il faut des bons entraîneurs, il faut savoir s'adapter aux différents collectifs et aux différentes générations. C'est vraiment un ensemble. Bon, avant le championnat, à feu, à fond, à fond, taquet. Ok. Je m'appelle Guillaume Dubois, j'ai 33 ans, 8500 sauts. Je suis en équipe de France depuis 2008 et je suis 3 fois champion du monde. Et je fais du voile contact. Pour moi, l'équipe de France, c'est ma priorité une, surtout sur mon boulot, sur ma vie personnelle. Un vrai sacrifice donc, mais qui a sa récompense. Guillaume est un des sportifs de haut niveau les plus titrés. Il a connu de nombreux instants mémorables, comme ce titre de champion du monde en voile contact à 4 en 2012. Un titre décroché d'un point sur la dernière manche. Alors déjà, le voile contact, c'est une discipline voile ouverte. C'est-à-dire qu'on sort de l'avion, on ouvre le parachute tout de suite, immédiatement, on chute une seconde et on ouvre tout de suite. Et le but, c'est de travailler avec quelqu'un d'autre, donc à deux, à quatre ou à plus, et de se positionner l'un par rapport à l'autre et d'évoluer l'un par rapport à l'autre. Depuis 2012, c'est en double avec Alexandra, sa petite amie, qu'il continue la compétition en voile contact. Discipline dans laquelle les parachutistes effectuent des appontages sur les voiles de leurs coéquipiers par des prises faites aussi bien avec les pieds qu'avec les mains. Il faut avoir un pilotage qui est le plus neutre possible. En fait, on a nos commandes qui pilotent l'arrière de la voile et puis on a des élévateurs à l'avant qui nous permettent de piloter l'avant de la voile. Donc on est obligé de tirer, alors c'est pas des forces faramineuses, mais on a une certaine explosivité sur certains mouvements qui nous permettent d'évoluer les uns par rapport aux autres. Au début, on commence avec des gros parachutes qui sont bien lents pour nous laisser le temps de comprendre. Et puis plus on progresse, plus on diminue de taille de voile jusqu'à prendre des parachutes qui font moins de 10 mètres carrés. Plus petit que des voiles de kite, par exemple. Simplement parce que si c'est plus petit, on met moins de temps pour aller d'un bout à l'autre. Et justement, le temps est la clé dans cette discipline où il faut reproduire la même séquence un nombre maximum de fois en une minute. Généralement, les équipes de voile contact à deux réalisent 5 à 6 fois la combinaison, mais en 2017, Guillaume et Alexandra établissent un nouveau record mondial en l'accomplissant 11 fois. Ça c'est fait. Un grand moment pour Guillaume et Alexandra. Mais au fait, comment ça marche une voile de parachute? On a abandonné les ronds depuis bien longtemps. Tout ce qui est parachute militaire, tout ça, faut retirer des esprits. Aujourd'hui, les parachutes, c'est des ailes d'avion. C'est littéralement la même chose, c'est le même principe aérodynamique. Il faut vraiment imaginer une aile d'avion qui avance et qui crée une portance au-dessus qui lui permet de porter et de chuter à relativement faiblement. Et oui, car le parachutisme reste la science de la chute, dont le point fatidique est l'atterrissage. Et certains athlètes en ont fait leur spécialité. Ils sont champions de pilotage sous voile, ou canopy piloting, une discipline récente regroupant 3 catégories, la vitesse, la précision, la distance. Les concurrents sautent de 1000 mètres et arrivent en survitesse dans l'axe d'un plan d'eau. Pour la vitesse, ils effectuent un virage à 60 degrés en bout de bassin et des cellules enregistrent leur vitesse de passage. Pour la précision, il faut atterrir sur une cible située à quelques mètres de la sortie du plan d'eau. Et pour la distance, ils doivent aller le plus loin possible en passant à moins d'1,50 m du sol au niveau de l'arrivée sur la zone d'atterrissage. L'équipe de France excelle également dans cette catégorie et compte dans ses rangs le champion du monde et recordman de la distance avec Cédric Vegarios qui a réalisé un atterrissage à plus de 196 mètres au championnat du monde 2017 en Pologne. Mais dans un saut, il y a une étape qui précède le vol ou l'atterrissage. Les autres disciplines se pratiquent, elles, durant ce moment où le corps n'est alors qu'une masse qui tombe tout droit vers le sol, la chute libre.
Quand on est en chute libre, on a une montée d'adrénaline qui nous rend, on va dire, euphorique, c'est de la drogue en l'air. La chute libre, c'est étonnamment, moi je dis toujours, c'est très doux. Il y a un sentiment de plénitude, de liberté, on est seul au monde, on a une vue à 360. En quelques secondes, à la sortie de l'avion, les corps se déplacent à près de 300 km/h. Afin d'avoir suffisamment de temps pour exécuter leur figure, les sportifs s'élancent donc d'une altitude de 4000 mètres, sensation garantie. Donc, je m'appelle Sophia Pécou, j'ai 30 ans et je fais partie de l'équipe de France féminine de vol relatif à 4. Le vol relatif, dit VR, il s'agit de la discipline la plus pratiquée en France. L'équipe de 4 ou 8 parachutistes doit réaliser une série de figures imposées et différentes à chaque saut, tirées au sort avant la compétition. Ici, tout est donc question de précision et de coordination entre les membres de l'équipe. Donc on est jugé sur 35 secondes depuis la sortie d'avion et le but est de réaliser le plus de figures possible, sachant qu'il y a des figures qui valent un point et certaines figures peuvent valoir deux points. Donc en gros, on doit faire le plus de points possible en 35 secondes. On a 10 manches à réaliser à la fin de la compétition, c'est celui qui a le plus grand nombre de points qui gagne. La sortie d'avion, c'est une phase très importante parce qu'il faut pouvoir prendre bien sa place sur l'air et pouvoir s'expulser assez loin et de manière... Ça conditionne beaucoup le reste du saut, en fait, la sortie d'avion. C'est le moment un peu critique et on a un pool de 36 figures à réaliser, donc on a quasiment autant de sorties d'avion à apprendre parce qu'il y a des sorties où on se tient tous les bras, donc on va essayer de s'agripper à l'avion comme on peut en se tenant les bras et en sortant comme ça. Et si on doit tous se tenir les jambes, c'est la même chose. Il y a des sorties plus ou moins compliquées, mais ça, on travaille au sol avant de partir sauter. En 2018, à Gold Coast en Australie, Sophia Pécou et son équipe sont devenues championnes du monde et perpétuent donc la grande tradition française dans cette discipline. Elles ont même réalisé l'exploit inédit de se classer sur le podium du classement toutes catégories. On a remporté le championnat du monde en catégorie féminine, qui était notre objectif principal. Donc, ouais, je suis très contente qu'on ait réalisé ça. Mais en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a réalisé le saut de record du monde également sur cette compétition avec 56 points. Donc pareil, record de France, record d'Europe et record du monde sur un saut. Voilà. Bravo ! Ben, précision importante, tout ça est filmé évidemment, parce que les juges ne sautent pas avec nous. Donc pour pouvoir juger notre performance, il y a un vidéoman qui saute avec nous et qui filme toutes les figures réalisées, tout le saut, et qui ensuite donne sa vidéo au juge qui pour pouvoir juger en différé. Donc c'est vraiment une personne très importante et qui fait vraiment partie de l'équipe à part entière, parce que si jamais il y a quelque chose, enfin une figure qui n'est pas dans le cadre, ou si jamais il oublie d'allumer la caméra, ou si à la sortie d'avion il chute plutôt que nous ou après, bon bah voilà, on a tous les points en moins. S'il oublie d'allumer la caméra, c'est zéro. Homme de l'ombre des équipes de parachutisme en compétition, le caméraman, appelé aussi vidéoman, est l'unique lien entre ce qui se passe en l'air et la terre ferme. Ben, j'ai un casque vidéo avec des caméras dessus, des appareils photo, des déclencheurs, des viseurs, etc. Moi, je sors de l'avion, j'ai une petite plateforme à l'extérieur de l'avion, je me mets en équipe sur cette plateforme et j'ai une poignée. Il faut vraiment que je loupe pas la sortie. Elles ont des sorties différentes, donc moi, à moi de m'adapter, de partir au bon moment, au bon tempo, pour dès que ça part, qu'elles prennent bien le vent, ben moi, être de suite en face, bien cadré. La difficulté, elle est là de tout le temps les avoir dans l'écran, qu'il n'y ait pas une main, un pied qui sort, un grip qui ne se voit pas. Donc moi, si je tourne un petit peu la tête... Même si elles ont brillé, elles ont fait des bons résultats, les points étaient là, eh bien, elles n'auront pas les points. Ce n'est pas du tout la même sensation de vol que les performeurs d'être vidéoman, mais l'adrénaline est là, l'envie de bien faire, de ne pas se louper, le stress de compétition. Je pense que c'est exactement la même chose. C'est juste que ben, elles font les figures, moi je dois les filmer. Le vidéoman est donc membre à part entière des équipes qui effectuent leurs exploits à la sortie d'avion. Mais s'il est bien des disciplines où son rôle prend toute sa valeur, ce sont les disciplines dites artistiques, le freestyle et le free fly. Le free fly, donc, c'est une discipline qui fait intervenir deux performeurs et un vidéoman. Et on crée un programme libre un peu comme en patinage artistique. Véritable danse du ciel, les disciplines artistiques mélangent des compétences variées, gymniques, acrobatiques et esthétiques.
Tout comme en patinage artistique, il existe un programme libre et des programmes imposés. En programme libre, la chorégraphie est issue de l'imagination des membres de l'équipe et doit attirer l'œil des juges avec des figures difficiles et originales, mais également par la qualité des images. Le vidéoman, en fait, dans notre discipline, c'est carrément un performer, dans le sens où on évolue à trois, en trois dimensions. Et donc le vidéoman, lui, va tourner autour de nous ou rester statique à certains moments précis et choisis pour avoir des effets, en fait, des prises de vue qui sont intéressantes. Un peu comme dans un film aussi, on aurait un travelling plutôt qu'une caméra statique. Je trouve ça incroyable, en fait, d'arriver en tant que corps humain qui n'est pas du tout fait pour évoluer dans l'air, d'arriver quand même à dompter l'élément avec son propre corps et de devenir soi-même un avion, en fait. Arriver à se déplacer dans tous les sens et surtout avoir des vitesses de déplacement qui sont complètement extraterrestres. On peut se mettre en orbite comme des satellites. C'est complètement magique. C'est impossible de faire ça sur Terre. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la puissance. On peut prendre des postures de vol où on utilise le corps entier pour créer un déplacement. Et quand on arrive petit à petit, de la pointe du pied au sommet de la tête, à prendre un angle parfait pour se déplacer dans telle ou telle direction, donc on a la puissance optimale de son corps, ça c'est génial. Après des années d'entraînement et 10 ans de compétition, Karine Joly, Grégory Crozier et Baptiste Welch, leur vidéoman, ont enfin remporté la médaille d'or de Free Fly au championnat du monde de 2018. Après, on est pris par le côté progression. Qu'est-ce que je vais faire comme amélioration pendant ce temps qui m'est imparti de chute libre pour pas juste être... À contempler le paysage, même si ça reste magique et à tous les sauts. Plus on performe en fait dans toutes les disciplines, plus on se retrouve à être bon dans ce qu'on fait, mais on se rend compte que le chemin à parcourir il est encore énorme. Et en fait, ce qui est kiffant, c'est d'arriver à aller chercher le saut parfait. Le saut parfait, plus on y va, plus il s'éloigne. Nous travaillons actuellement pour conserver les meilleurs résultats et rester la première nation au monde en parachutisme. Les ailes bleu blanc rouge semblent donc sur de bons rails pour continuer à écrire de nouvelles pages dans le grand livre du sport français. Mais la fédération de parachutisme, qui évolue en même temps que les innovations techniques, s'ouvre depuis plusieurs années déjà à des nouvelles pratiques et surtout à de nouveaux publics. Un axe qui est fortement développé par notre fédération, c'est toute la pratique vers les personnes à mobilité réduite. Depuis plusieurs années maintenant, la Fédération française de parachutisme joue pleinement son rôle d'acteur engagé dans le handisport, en proposant des initiations, mais également des compétitions adaptées. Un moniteur tandem valide, avec son passager donc atteint du handicap, qui va réaliser un certain nombre de figures. Il y a vraiment une fusion qui se fait entre l'athlète et le moniteur. Et c'est quelque chose de très important dans le projet aussi global de la fédération. En 2016, sous l'impulsion de la fédération et de sa présidente d'alors, Marie-Claude Feydeau, est créée la première compétition européenne Handifly, le Handifly Euro Challenge. Proposant des disciplines en tandem, en ascensionnel et en soufflerie, près de 100 athlètes européens y participent. Le concept fait des émules, puisqu'après Lille en 2016, Minsk en 2017 et Moscou en 2018, une quatrième édition se déroulera au Portugal. Le challenge européen Handifly est une compétition internationale, mais pour le moment non officielle, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance en termes de haut niveau. L'ensemble des handicaps sont mentionnés, il y a une classification qui est opérée avec tel handicap qui correspond à telle épreuve qui va être ensuite réalisée. La fédération espère et insiste auprès de la fédération internationale pour que ces challenges européens deviennent une coupe d'Europe ou un championnat d'Europe pour les personnes non valides.
Dans son effort de recherche, tant sur le plan matériel que technique, la fédération a adapté un moyen existant, le parachute ascensionnel, en imaginant un chariot spécifique permettant d'en faire profiter pleinement des personnes en situation de handicap. Ce type de vol est depuis longtemps utilisé pour les entraînements des sportifs. C'est l'ascensionnel terrestre, donc tracté avec un treuil où vous décollez du sol avec une aile rectangulaire. On vous amène à environ 300-400 mètres et donc vous pouvez piloter la voile et évoluer jusqu'à l'atterrissage. Donc là, c'est un merveilleux outil pour le parachutisme. C'est toute la phase sous-voile et atterrissage qui fait partie de cette phase-là. Le dernier sport développé par la fédération n'est pas à chercher dans le ciel. Apparu au début des années 70, mais passé de curiosité à outil fonctionnel au début des années 2000, les souffleries se trouvent le plus souvent en ville. Un tube en verre, transparent, dans lequel passe un flux généré par plusieurs turbines. Proche de 300 km/h, ce flux permet de se mouvoir en trois dimensions. Des caractéristiques qui confèrent à cette pratique indoor un potentiel unique dans l'histoire des sports aériens. En parachutisme, on a un espace illimité avec un temps limité. Et en fait, la soufflerie, c'est complètement l'inverse. On a un espace réduit avec un temps illimité. On voit tout de suite que si on veut faire 500 ou 600 sauts par an pour prétendre à avoir peut-être 1000 sauts d'entraînement pour un championnat du monde, on va avoir des contraintes sérieuses de météo. Pour les disciplines de chute, c'est 4000 mètres, on perd 6 degrés 5 par 1000 mètres. Donc quand il fait zéro au mois de décembre, au mois de janvier, à 4000 mètres, il fait moins 24. Nous, vraiment, la soufflerie, ça a commencé comme ça pour nous. C'était un outil de travail. Pour réaliser vraiment du volume, on faisait de la soufflerie l'hiver. Une heure de soufflerie, ça représente des centaines de sauts, en fait, en temps de vol. Et indoor ou outdoor, de toute façon, tout le monde s'entraîne un petit peu dans les deux et est obligé de s'entraîner dans les deux aujourd'hui. Idéal pour l'entraînement des athlètes de chute libre, le vol en soufflerie suscite surtout un engouement nouveau. Et depuis 5 ans, son émergence se confirme puisque le nombre de structures est passé de 3 à 23 aujourd'hui. C'est un vent de modernité qui souffle sur le monde du parachutisme. Il y a encore 20 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'aujourd'hui on puisse faire ce que les gens sont capables de faire aujourd'hui dans un tunnel, à se déplacer debout, à maîtriser au centimètre près un flux qui est à plus de 300 km/h, c'est fabuleux. Donc effectivement, on a un public que nous n'avions pas auparavant, puisque pour commencer le parachutisme, on peut commencer uniquement à partir de 15 ans, alors que le vol en soufflerie, c'est à partir de 5 ans. Si les disciplines pratiquées comme le vol relatif ou le freestyle trouvent tout naturellement leur place au sein des compétitions, de nouveaux formats apparaissent comme le vol dynamique où les athlètes exécutent un programme chronométré. Avec une soixantaine de médailles, le collectif France s'est distingué dans toutes les compétitions internationales. Des résultats qui poussent la fédération à voir plus loin. La fédération a entrepris un certain nombre de travaux, de réflexions pour intégrer cette activité du vol en soufflerie au programme additionnel des Jeux Olympiques. La Fédération française de parachutisme est à l'origine du projet que porte désormais avec elle la Fédération aéronautique internationale. Une entreprise ambitieuse qui ne répond qu'à un souhait, réaliser le rêve fou de voir voler des hommes et des femmes aux Jeux Olympiques. L'intégration dans le programme olympique, surtout les Jeux d'été, c'est très compliqué. J'ai moi-même participé aux Jeux de Barcelone en démonstration et enfin, on n'a jamais réussi à franchir la porte de l'olympisme. Aujourd'hui, en indoor, on pense que c'est possible parce que la discipline, elle est novatrice, elle est extraordinaire, elle est fabuleuse, elle est télévisuelle. Contrairement au ciel, en fait, où on ne peut pas vraiment être spectateur en direct de la performance, mais là, au contraire, on pourrait se réunir autour d'un tube d'air et regarder en live l'athlète performer sa discipline. Afin de mettre toutes les chances de son côté, la fédération regroupe plusieurs équipes le temps d'un week-end dans le but d'expérimenter différents formats de compétition. Comme ici, dans l'une des plus grandes souffleries au monde, à La Villette, à deux pas du futur village olympique.
que le projet olympique aujourd'hui que porte la Fédération française de parachutisme, c'est très excitant. C'est le rêve de tout sportif d'être un jour champion olympique, évidemment, mais ne serait-ce que de pouvoir participer à cette compétition. C'est très motivant pour toutes les personnes qui sont passionnées de parachutisme, parce que pour tous les sportifs amoureux du vol humain, ça serait orienter les projecteurs sur notre discipline, donc ça serait génial. Tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on essaye de faire, ça profite à l'ensemble du parachutisme et de ses disciplines, que ce soit l'avion, l'ascensionnel terrestre. C'est quand même une visibilité, un focus sur tout ce qu'on est capable de faire et toute la richesse de nos disciplines. Aujourd'hui, officiellement, la candidature est déposée depuis le mois de septembre 2018. On veut aller plus loin. Le parachutisme montre qu'il s'agit d'une discipline certes récente, mais avec de beaux jours devant elle.